montagne de Saint-Genis, ou montagne de l'Aupe, est un sommet montagneux des Alpes du Sud, Hautes-Alpes, situé entre Serres et Laragne. Elle culmine à 1432 mètres au roc de l'Esculier. Elle fait partie, avec la montagne de Céuse, du site Natura 2000, Céuse, montagne d'Aujour, pic de Crigne, montagne de Saint-Genis. Elle est à l'intérieur du périmètre du parc naturel des Baronnies Provençales, créé en 2014. La montagne de Saint-Genis est un bel exemple de synclinal perché, comme la montagne de Céuse, au nord de la Saulce dans le même massif. La montagne de Saint-Genis est du bois de Lubac, située en rive gauche du Grand Buèche, face aux confins des Baronnies occidentales, est un remarquable exemple de cuvette structurale, dont le cœur de néocomien est ceinturé par un craie de titanique annulaire. En fait, cette cuvette de la montagne de Saint-Genis n'est pas circulaire, mais plutôt en forme de baignoire, allongée selon l'axe de son pli principal, le synclinal du bois de Lubac, qui est orienté presque est-ouest. Le relèvement des deux extrémités opposées de ce synclinal perché est dû à son entrecroisement avec un pli transversal, sud-ouest, nord-est, le synclinal de Saint-Genis, encore plus ouvert. La forme des plis et le contexte structural tendent à indiquer que le synclinal du bois de Lubac, sans doute d'Ajoligocène, en raison de son orientation proche de N130, est le plus récent de ces deux plis et qu'il a replissé un synclinal de Saint-Genis préexistant, sans doute antécénonien. Cette montagne pourrait être considérée comme la plus méridionale de celle des chaînons calcaires du Beauchêne. Mais elle est séparée de sa voisine nord-orientale, celle d'Aujour, qui se rattache à ces derniers, par la très large combe anticlinale de Savournon. De plus, cette dernière s'avère être une importante frontière structurale car c'est là que passe la ligne de dislocation qui, du col de Cabre à Monnetier-Almont, limite le domaine structural du dévolu de celui des baronnies d'Iwa. À première vue, il semble bien que le synclinal du bois de Lubac devrait prolonger la branche nord du synclinal de Rosan, tandis que le synclinal de Saint-Genis représenterait la terminaison orientale du synclinal de Saint-Cyrice, que l'on perd dans les terres noires de la combe de Savournon. Mais en réalité, il est difficile de dire avec précision comment les deux synclinaux qui se rencontrent là se raccordaient, de l'autre côté de la plaine alluviale du Buèche, au pli de la rive ouest de cette rivière, appartenant aux baronnies. En effet, la rive gauche de cette vallée est parcourue par une autre ligne de cassure, grossièrement parallèle à la vallée, l'accident de Montrond. Ce dernier doit être, comme celui de Savournon, une déchirure qui intéresse toute l'épaisseur de la série sédimentaire car il est jalonné par un chapelet de remontées diapiriques, de gypses et carnules triasiques.